Bon, alors c'est un retour à la compétition. Oui, oui, un retour. Moi, je ne pensais pas aussitôt, mais bon, les enfants ont grandi. Voilà, ça, tout s'est bien goupillé en début de saison pour qu'on puisse acheter la voiture. Donc, c'est reparti pour nous. Bonjour Pierrot, alors retour au CIM. Petit tour, c'était pas prévu, mais bon, voilà, je sais pas comment t'expliquer comment je suis revenu au CIM. Bon, alors, je le fais parce que bon, ça c'est les neveux à Michel et ils sont hyper motivés. Alors bon, j'ai dit pourquoi pas, du moment que j'avais la voiture, voilà, c'est ce qui m'a décidé quoi. Ça s'est décidé très vite, je pense. Oui, ça s'est décidé très vite. La preuve, j'avais rien dit à personne parce que bon. Ils avaient la voiture, je ne savais pas s'ils allaient réussir à la mettre en route. Ils me disaient que oui, et voilà, et ils l'ont fait, et c'est très bien. Ouais, c'est bon, là. Moi, c'est la première fois que je vois cette voiture. Oui, effectivement, ouais. Bon, elle est sortie l'année dernière, mais on n'a pas fait un grand rallye. On va essayer de faire un peu mieux ce week-end. Quelqu'un m'a dit que vous l'aviez construite vous-même. Oui, on a tout fait de A à Z, mis à part la carrosserie. Sinon, on a tout réalisé ouais, nous-mêmes, ouais. Combien de temps de travail ça représente? 3 ans, en bossant le week-end. Donc c'est une base de quel type de voiture? C'est une base de chez nous, mais bon, c'est une copie Fouquet. Hein. D'accord, et la motorisation? Un V8 Audi. Oh oui, d'accord, du gros moteur quand même. Ouais, l'ancien de Urrutia. On lutte toute l'année pour essayer d'être au rendez-vous. Donc écoute, ça fonctionne encore. Une victoire au Rallye des Cimes il y a quelques années. Une petite vingtaine d'années, 22. Il y a 22 ans déjà. 22, le temps passe vite, oui, le temps passe vite. Écoute, ça reste un beau souvenir. Et puis, comment dire, ce sentiment, je l'explique toujours comme ça, ce sentiment de la mission réussie, tu vois, voilà, un Graal obtenu. Et après, on se détend et on roule pour le plaisir. Et puis je laisse passer là deux concurrents, donc le 130 qui est là, mais on aura l'occasion bien sûr de... Bonjour Pierre, alors tel père, tel fils? Bonjour, tel père, tel fils, oui, je sais pas, peut-être. Non, au moins on a la même passion, voilà. Après... Comment elle est arrivée cette passion, dis-moi? Depuis tout petit, je suis au bord des pistes ou à l'assistance, et puis derrière, ben, le baquet de droite, et puis voilà, et puis après on achète une voiture et on est foutu. Alors comment la maman vit-elle tout ça? La maman, elle le vit bien, très bien même. Bon, et je veux dire, j'ai une longue habitude. Et puis non, c'est sympa, voilà. Vous avez roulé vous aussi, je crois? J'ai roulé un petit peu, j'ai fait 3 petites saisons. Mais bon, quand je m'y suis mis, ça faisait déjà presque 30 ans que je suivais les rallyes. Mais c'est pas ma passion, voilà. Si mes souvenirs sont bons, il n'y avait pas un Lada hein, à une époque? On a fait 2 fois le Lada et l'an dernier en tant que copilote avec Jérôme. D'accord, alors ça, on a changé de monture là? Pas tant que ça parce qu'on est habitué, ça fait presque 2 ans qu'on l'a maintenant, donc on commence à l'avoir un peu en main. Hein. D'accord, et par rapport au Lada, c'est quand même différent? Ah, c'est différent, mais il y a plus de sensations dans le Lada. Là, bon, c'est un peu plus souple, c'est plus sympa, on va plus vite aussi. D'accord, et ça fait combien de participations au Rallye des Cimes alors? Eh bien, en tant que pilote, c'est la première. Alors, tu as du stress ou non? Oui, beaucoup. Beaucoup, parce que là, je vais dans l'inconnu, quoi. Hein, donc, on va voir comment ça se passe. De toute façon, aujourd'hui, ça va être la journée test pour trouver un peu les limites. Hein. Alors, il paraît qu'il suffit de prendre le premier départ et après, ça va beaucoup mieux. Eh bien, je vous dirai ça ce soir.
On va partir plus tranquille, sans pression, en assurant. Petit à petit, se faire plaisir.